On va commencer par les tendons du pied. Alors, je vais essayer de prendre les tendons du pied, pas du tout comme on les voit d'habitude, c'est-à-dire qu'on va faire de l'imagerie, bien sûr, hein, parce qu'on est là pour ça, mais on ne va pas faire que de l'imagerie. On va essayer de voir les choses de façon un peu comment ça marche, parce que l'imagerie, c'est sympa, c'est le scanner, c'est l'écho, c'est l'IRM, vous avez déjà entendu à plusieurs reprises tout ça, et je voudrais prendre les choses de façon complètement différente. D'abord, pour bien comprendre les tendons du pied et leur imagerie des pieds de la cheville, il faut avoir 5 choses à l'esprit. La première chose, c'est l'anatomie. L'anatomie, on a tous appris la même anatomie, l'anatomie de nos études, c'est une anatomie descriptive. C'est l'anatomie cadavérique, vous voyez, c'est le cadavre qui est couché sur le dos. Et c'est là qu'il y a un vice de forme, parce que, je prends un exemple, quand vous étudiez le tendon long fléchisseur de l'hallux, du gros orteil, vous voyez, ça c'est extrait du Rouvière, il fléchit la deuxième phalange du gros orteil sur la première, et celle-ci sur le premier métatarsien. Vous dites, ah bon, c'est son droit le plus strict. Bon, ceci étant, ça ne nous avance pas beaucoup, on ne voit pas beaucoup à quoi sert d'avoir un tendon qui fléchit une phalange comme ça. Dans la vraie vie, voilà ce qui se passe. On n'est pas couché sur une table de dissection, pas encore du moins. Nous vivons debout, nous marchons, nous courons, nous sautons, et nous avons les pieds en appui au sol. Et c'est ça qui change absolument tout. Puisque quand on est en appui au sol, le long fléchisseur de l'hallux, voilà ce qu'il fait. Il agrippe l'hallux au sol. Quand on est pieds nus sur du sable, on prend appui dans la terre avec son gros doigt de pied. Il étend la cheville. Il propulse la cheville en avant lors de la marche. Association avec le triceps, on va revoir ça tout à l'heure. Et il soutient l'arche médiale parce qu'il passe sous le sustentaculum tali. Et vous voyez qu'entre ça et ça, il y a quand même une marge extrêmement importante. Et ce que je voudrais faire passer comme message, c'est cette notion d'anatomie fonctionnelle. Connaître l'anatomie du mort, c'est bien, celle du vivant, c'est beaucoup mieux. Et une chose m'a frappé, c'est que depuis 30 ans, nous faisons de la technique en ostéo-articulaire. Il y a eu les années scanners, les années 80, les années IRM, les années 90, à peu près une dizaine d'années à chaque fois. Puis après, on a eu les années écho, alors à chaque fois, on a fait de la sémiologie. Moi, je pense que les années 2010 ne seront pas des années de technique, puisqu'on a fait le tour de la technique, ça va être des années fonctionnelles. C'est pourquoi c'est comme ça, comment ça marche. Deuxième chose, c'est qu'un pied, c'est fait pour marcher. Et la marche, ce sont une alternance de cycles automatiques où se succèdent des phases de réception, des phases de propulsion et des phases de décharge. Et le pied est fait pour ça. Dans la marche, au fond, si on essaye de résumer, de synthétiser, il y a deux affaires principales. Premièrement, c'est propulser, pousser en avant. Et pour ça, on a un gros moteur de hors en arrière, qui est le triceps, et deux petits moteurs de chaque côté, deux petits moteurs accessoires. C'est les fléchisseurs, les tendons médiaux d'un côté et les fibulaires de l'autre. Et le deuxième problème de la marche, c'est stabiliser. Et pour ça, on a des stabilisateurs comme ce bateau, avec de chaque côté un stabilisateur actif, c'est les ligaments collatéraux de la cheville, et un stabilisateur passif. Ce sont les tendons, le tibial postérieur d'un côté, et essentiellement l'omphibulaire de l'autre. Donc propulser avec des moteurs derrière, stabiliser avec des stabilisateurs actifs et passifs. Troisième notion qu'il faut bien se visser dans la tête, c'est que nous ne marchons pas comme des petits bonhommes Playmobil, comme des robots avec les jambes toutes raides, comme ça. Voilà comment ça se passe. Quand vous voulez marcher, surtout si vous êtes en retard, vous êtes pressé, vous allez faire ça, vous allez lancer votre jambe en avant. Et voilà ce qui va arriver au bassin. Puis après, vous allez faire la même chose avec l'autre membre inférieur. Conclusion, la marche alterne une succession de torsion axiale du bassin et des membres inférieurs, avec notamment une rotation externe automatique de jambes. Et notre squelette est fait pour ça, et nos tendons sont dessinés, imaginés, conçus pour cet usage.
Quatrième point, si vous mettez un tendon comme ça sur le dos du pied et vous le laissez tout seul, ça ne marchera pas. Il faut l'accrocher au pied pour qu'il tienne bien plaqué contre le pied. Et c'est le système des rétinaculums qui est absolument essentiel au niveau du tendon. Si vous arrêtez à ce système, ça ne marche pas non plus parce que ça ne glisse pas bien. Et donc, il faut un système de glissement qui est la gaine synoviale. Tous les tendons du pied, sinon voilà ce qui se passe, tous les tendons du pied ont un rétinaculum et une gaine synoviale, sauf un qui n'en a pas besoin parce qu'il est tout droit, c'est Achille. Et enfin, le cinquième point que je voudrais que vous ayez à l'esprit, c'est que l'entèse des tendons, c'est tout sauf ça. Ce n'est pas un clou qui est planté dans l'os avec une ficelle accrochée au clou. En fait, c'est un organe enthésique tout à fait complexe. Et chaque entèse est parfaitement adaptée à sa fonction mécanique. Donc, les points à garder en mémoire avant de commencer ce cours, c'est l'anatomie fonctionnelle, le cycle de marche, la torsion axiale, les rétinaculums et l'organe synovial, et l'entèse, qui est un véritable organe à soi tout seul. Alors, on va voir les différents groupes, comme on fait d'habitude, mais on ne va pas voir tout, parce qu'on n'a pas le temps, bien entendu. Le groupe médial, le tibial postérieur, c'est un hauban. C'est un stabilisateur anti-valgus. C'est ça, le travail du tibial postérieur. Le tibial postérieur, c'est un tendon absolument majeur. C'est le plus important des tendons du pied. Il est plus important que le tendon d'Achille. Vous pouvez marcher sans Achille. Vous ne pouvez pas marcher sans tibial postérieur. C'est un stabilisateur extrêmement puissant qui va empêcher la bascule en dedans du pied, notamment après l'attaque au sol. Voilà comment le pied attaque le sol de façon normale. Voilà, il attaque le sol comme ceci. Vous voyez que compte tenu du dessin du calcanéum, spontanément, le pied a tendance à basculer en dedans après avoir percuté, que le talon ait percuté le sol. Et là, vous avez le tibial postérieur, dont le travail va être de redresser le pied. C'est pour ça que si ce tibial postérieur ne fait pas son travail, en fait, le pied s'écroule en valgus. Et le deuxième travail du tibial postérieur, c'est de soutenir l'arche médiale. Alors, l'arche médiale, c'est une chose qui est très particulière, c'est quelque chose qui est fait pour amortir. Sinon, vous auriez des vibrations terribles dans tout le corps. Vous voyez que la tête du talus, ici, repose en fait dans le vide. Il n'y a rien du tout. Ce vide est rempli par un ligament qui s'appelle le spring ligament, qui est une espèce de hamac sur lequel va reposer la tête du talus. C'est la notion de coxa pedis, l'acétabulum du pied. Voilà ici une vue de dessus, vous avez le calcaneus, l'os naviculaire, et le spring ligament qui vient boucher le trou entre les deux. Vous voyez que dans ce creux osseux et ligamentaire, va venir reposer la tête du talus exactement soutenu par le tibial postérieur comme un coquetier, comme un œuf vient reposer dans un coquetier. Mais il faudrait imaginer un coquetier souple. Et c'est ça le travail de la coxa pedis. En souplesse, vous voyez, il va y avoir un amortisseur passif qui est le spring ligament et accessoirement le ligament collatéral médial et un amortisseur actif qui est ce soutien par le tibial postérieur. Donc c'est un gros porteur, un stabilisateur majeur du pied qui va se réfléchir sous la malléole médiale et de là, les pathologies sont évidentes. Hein. Puisque c'est un gros porteur, il y aura des notions de rupture, puisqu'il s'attache au bout de cette désenthésopathie et vu sa position derrière la malléole, il y aura des problèmes de luxation. Voilà comment passe le tibial postérieur derrière la malléole. Et vous voyez que s'il déchire sa gaine et son rétinaculum, il va venir se luxer ici, sous le fascia superficialis. Voilà l'équivalent en écho. Vous avez le tibia, le fascia superficialis et le rétinaculum avec la gaine. Le tibial postérieur est ici. Si il vient et s'il se luxe en avant en déchirant sa gaine, vous allez avoir un épaississement du rétinaculum, avec parfois un arrachement, le tendon en général étant revenu en place. Et puis une hyperémie au Doppler.
Regardez, c'est la même chose en IRM. Voilà ici un épaississement des parties molles qui sont en hypersignal en T2. Et alors, j'attire votre attention sur ce point très original. Vous voyez qu'il y a également un hypersignal intra-osseux. Et quand il y a un hypersignal intra-osseux, il y a une fixation scintigraphique. Et c'est pour ça que les rétinaculopathies fixent à la scintigraphie. Et c'est ça qui donne ces erreurs diagnostiques. Elles sont prises pour des ostéopathies. Au niveau du trajet paramaléolaire, ce sont des ruptures partielles ou complètes. Voilà le tendon normal. Ici, c'est la rupture en chewing-gum que vous connaissez tous, avec l'aspect des tendinopathies, sur lesquelles je n'insiste pas parce que c'est tout à fait connu, avec des fissures. Et quand le tendon est rompu, comme ici, vous voyez, il a disparu, ben, il y a la conséquence biomécanique logique. Il n'est plus antivalgus, donc il y a un hypervalgus de l'arrière-pied et il soutient plus l'arche médiale, donc vous aviez un pied plat, valgus, logique. L'enthèse est très complexe et c'est assez logique parce que vous avez deux tendons qui doivent porter le pied à eux tout seuls, pratiquement. Vous voyez, le tibial postérieur et le long fibulaire, ce sont deux mains qui s'entrecroisent comme ça sous le pied et qui soutiennent le pied. Ils vont faire la courte échelle au pied, littéralement, pour porter le pied. Et vous avez donc, il est logique d'avoir un système d'enthèse, un organe enthésique extrêmement complexe qu'on voit très bien ici en échographie avec le spring ligament. Ici, de temps en temps, vous voyez, les fissures du spring se voient très bien en échographie. Deuxième tendon médial, c'est le long fléchisseur de l'hallux. Un tendon compliqué, c'est un propulseur. Un propulseur exactement au sens préhistorique du terme. Voilà un homme préhistorique qui utilise un propulseur pour lancer sa sagaie. Vous voyez qu'en appui, la plante du pied est rigidifiée par une contraction des intrinsèques et par une tension du tendon. Et vous voyez que ce tendon va projeter le pied en avant en association avec le tendon d'Achille. Donc, les points à étudier vont être essentiellement ici sa réflexion en arrière du talus, que l'on voit parfaitement en échographie. Vous voyez, si vous faites une coupe comme ceci qui passe par là, vous allez avoir le tendon qui est dans sa petite gouttière derrière le talus, avec parfois des fibres musculaires accessoires. Et quand le tendon est pathologique, c'est la sémiologie tout à fait classique, vous le verrez très bien. Vous pouvez confirmer en IRM, en ténoscanner, en tout ce que vous voulez, mais ça se voit très bien en échographie. Au niveau de l'enthèse distale, ce sont des arrachements, les danseurs en particulier, et un tout petit point particulier, quand quelqu'un a été opéré d'un hallux valgus et qu'on a fait une ostéotomie de scarf, une ostéotomie de P1, c'est pas normal de ne pas pouvoir plier le gros doigt de pied après. Si c'est le cas, le tendon a pu être coupé involontairement par le chirurgien, soit ici, soit là, et vous le voyez très bien en IRM, vous le voyez également très bien en écho. Pensez à aller chercher ces ruptures. En dehors, ce sont les fibulaires. Alors, les fibulaires, ce sont des stabilisateurs. Vous voyez, c'est le bateau de tout à l'heure, des stabilisateurs antivarus. Il y a des stabilisateurs passifs, qui sont les faisceaux du collatéral latéral, et des stabilisateurs actifs, qui sont les fibulaires, le court et le long fibulaire, qui va rejoindre son petit copain, le tibial postérieur, sous le pied. Voilà les rétinaculums des fibulaires. Vous savez qu'il y en a deux, un supérieur et un inférieur, l'inférieur étant en continuité avec le rétinaculum des extenseurs, d'où des pathologies croisées. Voilà ce qui se passe quand vous avez une entorse, vous voyez, cloc, si les ligaments lâchent, vous avez le pied qui part en varus. Le boulot des fibulaires, c'est au moment où il y a une alerte, vous voyez, avant que les ligaments ne claquent, le fibulaire se contracte de façon automatique, et il va empêcher l'entorse. Conclusion, les fibulaires vont être d'autant plus stimulés, d'autant plus sollicités que la cheville est plus instable, c'est-à-dire qu'il y a un pied creux, varus, ce qui surmène et qui a tendance à faire basculer le pied plus facilement, qu'il y a déjà des séquelles d'entorse où le fibulaire va faire le boulot du ligament et que les sports sont à risque, par exemple la danse, le patin à glace, etc.
Les fibulaires, retenez bien ça, c'est exactement l'équivalent du tibial postérieur. Ce sont deux symétriques. Conclusion, c'est la même pathologie et c'est la même sémiologie, ce qui va nous faire gagner du temps. Vous voyez qu'au niveau de luxation, c'est exactement pareil. Vous allez avoir ici une poche de luxation. Vous pouvez dire sur cette seule échographie qu'il y a eu une luxation, même si le long fibulaire est en place, puisqu'il y a un épaississement des parties molles. Et si vous faites une manœuvre d'éversion contrariée, vous allez reluxer le tendon fibulaire. Exactement la même chose qu'au niveau du tibial postérieur. Petit truc, si vous voyez le rétinaculum, la jonction rétinaculum ici, malléole, bien arrondie comme ça, a priori, c'est normal. Le trajet horizontal, ce sont des fissures et des ruptures, tout à fait classiques, exactement comme le tibial postérieur. Je rappelle ici les rapports entre le collatéral latéral, faisceau moyen et les fibulaires, qu'on voit très bien en échographie. Fissures, ruptures, sémiologie qui n'a rien de particulier. Troisième point, l'enthèse. L'enthèse, c'est assez amusant puisque vous avez des arrachements enthésiques ici du court fibulaire que vous connaissez très bien. Et pour le long fibulaire, on ne voit pas l'enthèse, mais on voit de temps en temps un petit ossicule accessoire qui est ici au niveau de la gouttière sous-cuboïdienne. Quand sur la radio, l'ossicule est trop en arrière par rapport à sa place normale, quand il n'est plus sous le cuboïde, mais là, ça veut dire que le long fibulaire est rompu, il a cassé son ossicule. En avant, c'est le groupe antérieur, c'est un frein. C'est un groupe qui freine, c'est un frein moteur exactement, puisque le tibial antérieur, essentiellement, c'est le plus puissant. Son travail va être de mettre le pied en position, comme ça, au moment de l'impact sur le sol, puis de freiner la chute. C'est pour ça que quand vous avez une paralysie de L5, vous avez le pied qui bat, ça s'entend extrêmement bien à l'oreille quand le patient marche. Donc, trois choses à voir. Le rétinaculum qui est majeur, c'est un rétinaculum extrêmement important vu la concavité, le corps du tendon et, comme d'habitude, l'enthèse. Curieux, cette enthèse. On ne s'imagine pas pourquoi cette enthèse est médiale alors que le travail, c'est d'étendre la cheville. En fait, quand on y réfléchit, c'est parfaitement logique. Voilà comment le pied attaque le sol et si on veut que le pied attaque le sol par son bord externe pour que la bande de roulement du pied soit respectée, qui est une bande de roulement latérale ici, il faut que l'enthèse soit ici, c'est-à-dire juste en face du tendon. Ça ne marcherait pas si elle était sur le dessus du pied. Et toute cette pathologie tendineuse est parfaitement visible ici. Voilà le rétinaculum normal, voilà le rétinaculum pathologique en écho, les ruptures qui ont une sémiologie tout à fait classique et les enthésopathies. Quand vous cherchez une enthésopathie du tibial antérieur, il faut aller la chercher ici. Vous faites une coupe axiale comparative, ça saute aux yeux, enthèse normale, enthèse pathologique. C'est extrêmement simple et ça passe inaperçu puisque, en général, c'est méconnu par les cliniciens, même les cliniciens avertis. Et je terminerai par le tendon d'Achille. La même chose, en une demi-heure, on ne peut pas faire. Mais c'est un moteur. Le tendon d'Achille, c'est un moteur extrêmement puissant. C'est ce gros moteur de hors-bord, là, un propulseur qui va agir ici au moment de du double appui de propulsion, vous voyez. Il va pousser le pied en avant ici. Le pied et tout le poids du corps, c'est un tendon essentiel. Alors, je voudrais juste souligner 10 petits points comme ça, un peu particuliers d'Achille. Achille, c'est un sandwich tordu, vrillé sur lui-même. Pourquoi c'est un sandwich ? Parce qu'il a deux composantes. Il est né du solaire et des gastrocnémiens. Et on retrouve parfaitement cette dualité de composition dans le tendon. Et vous le voyez en écho, vous voyez la tranche de jambon au milieu du sandwich. Vous voyez, de temps en temps, c'est complètement évident. C'est pour ça que vous avez des fois des hémitendinoses. Il n'y a qu'une partie du tendon qui est malade. Deuxième point, Achille est tout droit. Il est tendu de là jusque là. Il n'a pas de réflexion, donc la nature ne fait jamais de choses inutiles. Il n'a pas de rétinaculum, donc pas de gaine synoviale, donc pas de ténosynovite. Il n'y a pas de ténosynovite d'Achille.
Deuxièmement, le calcaneum postérieur, c'est un sésamoïde. Il faut le considérer comme un sésamoïde. Voilà ici l'anthèse d'Achille et de la ponévrose plantaire. Vous voyez qu'il y a une continuité intra-osseuse entre ces deux structures. Et ces structures ici vont exercer une force comme ceci pour pousser le calcaneum en avant. Alors me direz-vous, pourquoi diable ce tendon d'Achille ne s'attache pas ici? Pourquoi est-ce qu'il s'attache en bas du calcaneum? Eh bien, pour une raison extrêmement simple, c'est que quand, voilà, vous avez une petite bourse ici à l'état normal, quand vous pliez le pied comme ça, vous avez un contact entre Achille et la partie supérieure du calcaneum qui est protégée par sa bourse, et ce contact va absorber en fait toute une partie des forces de l'anthèse et soulager d'autant la véritable anthèse qui est placée un petit peu plus bas. C'est un véritable petit miracle technologique. Quatrième point, Achille, le diagnostic d'Achille est un diagnostic clinique. Vous ne devez pas faire le diagnostic de rupture en écho, mais cliniquement, à l'aide de deux signes, le signe de Thomson, pouet-pouet, vous appuyez comme ça sur le mollet et normalement le pied se met en équin, voyez s'il pend, Achille est rompu, point. Deuxième signe, c'est le signe de Brunet-Gedge, le pied pend, alors que normalement, en couché sur le ventre, le pied ne pend pas, il est en léger équin. Si vous avez ça, avant de commencer l'écho, Achille est rompu. Après, vous allez dire comment il est rompu. Cinquième point, la rupture d'Achille, ce n'est pas ça. Ça peut être ça. C'est deux mains qui se séparent, voilà. Vous avez un gap ici entre les deux et vous avez une coupe vide. Vous voyez, ça peut se voir de temps en temps. En fait, c'est exceptionnel. La rupture d'Achille, c'est ça. Et ça, c'est une idée de Jean-Louis Brasseur, ce dessin. Vous voyez, voilà comment se rompt habituellement Achille. Ce qui fait que quand je fais une coupe, voilà la coupe que j'obtiens. Et voilà l'image de la vraie vie. Ça, c'est une rupture complète d'Achille. Pas partielle, complète d'Achille. D'ailleurs, les ruptures partielles d'Achille existent, mais sont tout à fait rares. Donc, oubliez-les carrément. Sixième point, ceci n'est pas une rupture partielle d'Achille, c'est une rupture complète, mais ce que vous voyez, c'est le tendon plantaire. Et vous voyez que c'est malheureusement une chose assez rarement méconnue, aspect de rupture partielle du tendon d'Achille gauche. Les chirurgiens, quand ils voient ça, ils hurlent de rire, parce qu'ils connaissent très bien cette pathologie. Donc quand vous voyez ceci dans un lit de rupture comme ceci, c'est le tendon plantaire. Septième point pour Achille, n'oubliez pas la flexion, puisque c'est ça qu'on vous demande dans le fond. La rupture est-elle réparable et comment doit-on la réparer? Vous avez ici une rupture en flexion, les deux moignons se touchent. On pourra mettre un plâtre, par exemple. Ici, les deux moignons ne se touchent pas. Il faudra probablement opérer, au moins par voie percutanée. Et ici, vous avez un moignon qui rebique à l'intérieur de la rupture, il faudra probablement opérer à ciel ouvert. Achille s'étudie tendu et détendu. Voilà un Achille pathologique. Vous voyez qu'au Doppler, il est extrêmement hyperémique. Il suffit que je le mette en tension pour que tout le Doppler disparaisse. Quand vous cherchez un effet Doppler au niveau du tendon d'Achille ou de tous les tendons, il faut absolument le mettre en décharge, en détente. Avant-dernier point, avant d'infiltrer ça, faites très attention les bursites, car les bursites pré-achilléennes communiquent avec les fentes d'Achille et vous risquez de casser le tendon si vous infiltrez la bursite. Dernier point, petit mot de culture générale, on parle d'Achille. Vous voyez qu'il avait une ravissante maman. Qui sait comment s'appelait cette maman? Ah, vox clamat in deserto. Elle s'appelait Thétis. C'était la nymphe marine Thétis. Je vous remercie de votre attention.